Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un tuto de Scraplease. Elle a appelé mini album pochette 100% action. On y met à peu près 16 photos, plus vous allez voir derrière, il y a une pochette où vous pouvez mettre des photos comme ça. Moi, je l'ai appelée la pochette fête des mères. Ça se présente comme ceci, on dirait vraiment un petit sac à main. Vous savez, les petites pochettes qu'on a quand on va en soirée. Donc là, moi j'ai mis, c'est un bras, mais en forme de bouton. On déroule. Et on ouvre. Comme une pochette. Et là, moi, je la retourne comme ceci. J'ai mis, elle est très printanière celle-ci. Hein. Elle est pleine de fleurs, elle est pleine de couleurs. J'adore. Voilà, là, par contre, dans celle-ci, on met des photos 10-15. Vous pouvez mettre du 9-13 aussi, hein, ça rentre parfaitement. Mais le 10-15 rentre. Donc, un premier rabat. Voilà, je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Ici, un deuxième rabat. Là, les emplacements photos, toujours. J'ouvre comme ceci. Un emplacement photo. Un ici. Et on ouvre encore un rabat où on trouve deux autres emplacements photo. Et comme ceci. Comme ceci. Ça forçait, il faut jamais que ça force. Si ça force, c'est qu'on n'a pas plié dans le bon sens. Voilà. Ici, on peut mettre une photo là. J'ouvre là, photo, j'ouvre ici, photo et photo, une pochette dans laquelle j'ai glissé un petit carnet pour mettre trois photos. Donc, vous pouvez mettre plus de photos, hein, c'est parce que là, je rabats là. Je referme ma pochette et là je tourne et au dos une autre pochette aimantée dans laquelle vous pouvez glisser. Voilà, vous voyez, ce sont mes gabarits. La photo 10-15 rentre parfaitement dedans. Ou un petit mot, une carte pour l'offrir. Là, vous pouvez faire un petit peu de journaling. C'est aimanté, ça tient parfaitement. Pour refermer, eh ben, on prend notre ruban. On fait un tour. Deux tours. Et le troisième, on l'enroule autour du bouton. Voilà, tout simple, tout mini. J'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air afin que YouTube propose mes vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.